Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode, l'épisode 14 de Luigi's Mansion 3. J'espère que vous allez bien les amis. Non, vous ne rêvez pas, je suis exactement au même endroit qu'au début de l'épisode 13 et c'est tout à fait normal si vous avez suivi puisque on était allé faire l'étage du dessus, la salle de sport, et ensuite on était redescendu pour choper l'Ectocha qui nous a encore volé le bouton de l'étage 14. Donc, on lui a déjà arraché une queue, et on était rentré là-dedans, donc on va y rentrer tout de suite, on perd pas de temps. On était rentré là-dedans et c'était le bordel, ici, disons-le, c'était le gros bordel, donc on va essayer un petit peu, voilà, de s'en sortir, et de faire un petit peu tout le monde, on va y aller comme ceci, et l'Ectocha, je sais pas s'il est dans le coin, J'avoue que j'en sais rien, donc ce qu'on va faire... Attendez, on va faire ça comme ça. Bonjour, il y a quelqu'un? Eh bah... pas vraiment. Attendez. Finalement, c'est très calme. Est-ce qu'il faut pas aller juste sur le bateau? Ah! Wow, 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 wow! Tu vas sortir? Il veut pas sortir! Il y a clairement un truc là-dedans. Mais c'est bugué! Ah génial, on a tout bugué. Ah non, à moins qu'il soit là-dedans. Moi qu'il soit là-dedans. Ok les amis, c'est Buggy. Oh le chat. Viens ici. On l'a chopé, on l'a chopé. Ok, go, direct. Ah ouais, direct, ça enchaîne. Alors il y a des gens qui m'ont donné une astuce. Bon, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé avec le jaune. Des gens qui m'ont donné une astuce, qui m'ont dit t'as pas besoin en fait d'utiliser Gluigi. T'as juste à rester comme ça, tranquillement. Regardez le chien qui dort. Et au moment où il s'apprête, voilà, à faire ça. Oh, on a les deux. On s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le chat. Le chat. Le chat. Et le chat. Vilain chat. Voilà, on lui arrache sa deuxième queue. Pour les autres fantômes, je vous avoue que ça m'est complètement égal. Alors, il va descendre en dessous. Ah non, il descend pas en dessous. Oh, il descend pas en dessous, attendez. Oh, j'ai laissé des perles et tout, hein, mais c'est pas grave. Il est... Eh, viens ici. Comment est-ce que je fais pour le choper? Reviens. Saleté. On va le choper. Ah bon. Ok. Donc direction en dessous. Donc en dessous. Oh le chien il va. Ok. Ok ok ok. Pas de soucis. C'était quoi en dessous? Vous vous en rappelez? C'était quoi la salle du tout? On a tellement enchaîné les salles ces derniers temps. La salle du dessous. C'est pas l'Egypte. Non c'est pas l'Egypte. Il y avait un truc entre temps. Non c'était quoi? Ah c'est pas le truc des sœurs là. Le... Il y a un truc là non? Oh. Parfait. C'est pas le truc des sœurs? Le... Comment ça s'appelait? L'étage des illusions, truc du genre là. Si, 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 c'est ça je crois. Attends, on va descendre. On va aller voir ça. Bon, cet épisode démarre sur les chapeaux de roue, hein, disons-le. Donc, oula, je vais arriver à parler. L'étage 9. Non. Non, l'étage 10. Attendez, on était au combien? 12? Oui, oh là là, je suis très fatigué. En fait, je lisais de gauche à droite, donc pour moi, ça allait directement en bas. Donc en fait, je regardais 12, et après, ça faisait 10 et 9. Comment allez-vous? J'ai déjà tourné des vidéos aujourd'hui. Est-ce que c'est pour ça que je suis à l'ouest? J'en sais rien. Toujours est-il que je suis un peu chelou, là. Je sais pas, va falloir que je me réveille, parce que sinon, ça va clairement pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe enfin un truc dans cet ascenseur. Oh! Des fantômes. On en a un. Et vous tapez ses potes en même temps. Pour une fois qu'on a des... Qu'on a des fantômes. Non. Hop, voilà. C'est bizarre qu'on puisse les voir que d'un côté quand même. C'est bizarre cette histoire. Et lui, je l'ai vraiment chopé au moment où il allait m'attraper. Tu dégages. Bien. Est-ce qu'on peut arriver s'il vous plaît? Ok, on a enfin validé ici. Ils ont mis du temps à venir nous attaquer. Hein, parce que depuis le temps qu'on était là, est-ce qu'il faut que je réappuie? J'ai pas l'impression. On va y arriver, on va y arriver. S'il te plaît. C'est bon. Allez! C'est bon. Ok, donc c'est ça, salle des illusions, machin bidule. Ok. Donc, ça doit être vers le haut de la salle. Parce que au moment où il a sauté, vous voyez sur la carte, c'est, je dirais, c'est dans la salle du dessus. Alors là, il y a l'ectochien ici. Bah attends, on va suivre l'ectochien en fait. Coucou? Tu dirais là-dedans, toi? Non, là-dedans, c'est pas ça. C'est pas ça qui nous intéresse, nous. Attendez. Bon ça si, ça pourrait me donner des sous. Regardez comme je suis en train de le descendre. Bien comme il faut, j'attends qu'il soit à 80. Et voilà, oh là là, voilà comment on fait
Un fantôme à 250 en un coup, mesdames et messieurs. Voilà comment ça se passe. Bien. Parfait. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a un bout à l'étage 9. Parce qu'on a acheté le truc, donc peut-être qu'on le fera quand même. Ce serait un petit peu dommage de pas le faire. Alors, l'ecto-chien, on suit les traces. Ok, il est allé dans la salle d'en face. Donc ouais, ça correspondra à peu près en termes de hauteur. Ça correspondrait où on était. Oh! Non. Le chat, il est là. Vite, il est où? Il s'est barré? Il s'est barré ou pas? Je vois pas avec ma cam. Attendez, est-ce qu'il est dans cette salle? Ok, il est là. Comment? Ah, mais je peux soulever ça, non? Ah, mais oui, j'étais pas... En fait, je pouvais monter sur la scène. Depuis le début. Parfait. Alors, je pouvais, mais... Ok, très bien. Et du coup, il serait là-dedans. Ah, vous pensez qu'il faut... Ah, ok. Il faut que Luigi... Je pense en tout cas qu'il faut que Luigi... Pour que... On mette ça ici. Maintenant, toi, ici. Et on le tire en même temps. Ok, on est bon. On est bon. Ok, dernier combat. Allez, bon, ça va, l'ectocha, ça va pas durer très longtemps. Alors attention, on a le pattern. Vas-y, descend, style de rien. Il va se préparer et... Quoi? Ah, il a changé de pattern, le bâtard. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, quand on se retourne vers lui, il se re-retourne. Je crois, attendez, c'est ça. Oh, j'ai appuyé. J'ai appuyé, non, c'est de la triche. J'ai appuyé, monsieur, dame. Bon, ok, c'est ça. Ah, attendez. Attention. J'appuie trop tôt. En fait, je crois que c'est ça, j'appuie trop tôt. Heureusement qu'on a de la vie. J'appuie juste trop tôt, en fait. Bon, c'est rien. Mais, c'est bon. Ok. C'est bon. Il nous a fait une petite feinte, le petit minou. Est-ce que cette fois, on va le tuer pour de bon? Aspire-le, cette fois. Cette fois, tu viens. Voilà, cette fois, on l'a eu. Cette fois, il ne sort pas. La dernière fois, il s'était barré, en fait. Et on a le bouton de l'étage 14. Bien. Bon, bah ça va, on n'aura pas pris trop de temps, au final. Étage 14, et après, il y a l'étage 15, hein, je vous rappelle. Et après... Et après, je ne sais quoi. Bon, toujours est-il que on vient récupérer le bouton de l'étage 14. Normalement, cette fois, on est bon. Parce qu'on l'a déjà récupéré il y a un petit moment. Dans la salle de sport. Mais à cause de l'ectocha, il y a eu plein de problèmes. Bon, en tout cas... Clairement un truc ici. On le voit, là, regardez comme c'est déchiré ici, non? Bizarre. Bizarre. Bon, on n'a plus besoin de toi. On va retourner du coup à l'ascenseur. Et on devrait être... Bon, alors qu'est-ce que ça va être la salle suivante? Est-ce que vous avez une idée, vous? Je vous avoue que j'ai pas dit du tout. J'ai chaud, en fait, j'ai peut-être mis le chauffage trop fort. Bref, ça va bien se passer. Alors, oh, mais d'ailleurs, attends. Non? Ok, j'aurais cru. J'aurais cru que de la même manière, cette boîte-là, on allait pouvoir l'ouvrir. Mais... Bah, apparemment pas. Bon, alors... Hop. Étage numéro 14. On y est presque là. M1, c'est fou, on a bien avancé là. On est quasiment au bout. On est quasiment au bout de l'aventure là. Alors. Oh yeah. Étage numéro. Donc 13, 14, discothèque. Discothèque. Allons-y, allons à la discothèque. C'est parti. Je suis chaud. Je suis chaud bouillant pour la discothèque. Regardez-le, il danse déjà. Il est déjà content. C'est bon, on va pas se refaire attaquer. Oh la vache, c'est beau. On dirait un micro un peu le truc. Oh, la porte d'ascenseur, tout est vraiment disco quoi. Donc, est-ce qu'on... Ah ouais, la vache, ok. Voyons voir à quoi ça ressemble. On va voir la map. C'est pas grand. Alors à moins qu'il y ait des paliers, sinon c'est pas grand du tout. Donc on va voir, je vais actionner ça là évidemment. Ah ouais, par contre dans la discothèque, j'espère bien qu'il va y avoir masse argent. Ce serait scandaleux sinon. Ce serait, disons-le.
sûr, il y a un truc. Regardez. Il y a clairement un truc à faire. Attendez. Il n'y a pas moyen de... Il y a clairement un truc avec ça au sol. Oh! Il y a clairement un truc. Non, quelle tristesse. C'est bon, on a réussi. C'était sûr. Oh, c'était sûr. C'était sûr et certain. Alors, est-ce que c'était obligé? Ou est-ce que c'est juste vraiment une belle récompense qui m'attend? Oh, la vache. On a une gemme, on a tout. Oh, regardez. C'était sûr, vraiment. Salle secrète de la discothèque des coins. Ok, donc là, c'est vraiment une espèce de secret. Parce que ça, j'avais jamais vu avant maintenant. Ce truc mis en bas. Du moins, je crois. Putain, mais l'argent. L'argent qu'on va se faire, là. On a trouvé le coffre-fort de la discothèque. Ok, on prend... Non mais regardez tout ce qu'on a. Après c'est que des petits... c'est que des petites coupes. Mais c'est quand même sympa. Et on récupère le casque. Oh yeah, parfait. Et du coup ici, attendez, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire là, machin? Non, bah écoutez, parfait. Bye bye. Ok, bon, alors maintenant on va explorer vraiment la discothèque. Excusez-moi, mais c'était quand même intéressant. Voilà, je tiens à vous le dire. Pareil, est-ce qu'ici il n'y a pas un délire? Non. Dans l'autre sens peut-être? Non, je sais pas. Là pour le coup, j'avoue que je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a des secrets partout alors que si ça se trouve non, mais... Mais bon, allez, avançons. On a déjà trouvé un secret, je me sens bien là, tu vois. Alors, bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, la caisse. La caisse, ça fait... On aura vraiment parlé que de thunes dans ce let's play, c'est terrible. C'est abominable, j'aurais vraiment... Ah! J'ai peur. Oh! J'aurais vraiment parlé que de thunes tout le temps. Regardez, les billets! Hop. On vient, on récupère. Les... Eh, dis donc! Viens là, toi. Méchant. 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 Oh non, mince! Ah, j'ai l'impression que je peux les taper un peu plus cette fois, non? Depuis que j'ai amélioré mon truc, est-ce que je peux pas les taper un peu plus? Ah, par contre, t'es vraiment bloqué, là. Ok, bon, on est bloqué à cause de lui. Attendez, recule. Recule, ouais. On va essayer de le taper direct. Parce qu'avant, on pouvait faire plusieurs coups, vous vous rappelez. Hein. Donc là, il y a 197. Hop, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant je peux faire 5 coups. Et oui, et non plus 4. Putain, donc en fait je peux leur enlever 100 PV d'un coup et non plus 80. Faut que je retienne ça, mine de rien. Putain, ça fait deux fois que je me fais avoir, il m'énerve. Est-ce que c'est moi qui suis pas réactif? Ok, c'est bon. Bon alors, je vais quand même venir ici, s'il vous plaît, avant d'aller dans la discothèque. Je peux pas venir ici ou quoi? Peut-être que... Non, il peut pas non plus. Ok, j'ai l'impression qu'on peut pas rentrer là-dedans. Bon. Bah écoutez, peut-être par l'autre côté. Ah, par ce côté-là. Par ce côté-là, j'ai l'impression qu'on peut. Eh oui, regarde. Attends, d'abord, on va aspirer un petit peu tout ça, là. Voilà, de la vie. De la vie qui fait plaisir. Une caisse, ici. Qui va donner la vie également. Si hâte d'être dans une prochaine convention et d'avoir des parents qui vont me dire « Dites-moi, vous parlez beaucoup d'argent, quand même ?» Je rigole, bien évidemment. Et c'est ce jeu qui nous appelle à prendre de l'argent. Ce n'est pas moi, moi je suis innocent dans cette histoire. Bon, il y a des pièces un peu qui tombent, ok. Là, il va y avoir... Ouvrez-moi. Il n'y a absolument que dalle. Et ici, enlevez-moi ça. Oh la vache. Voilà, c'était sûr qu'il allait y avoir une araignée en or à la fin. Ok. Bon bah encore une fois, à quoi nous fait penser ce jeu? À de la thune. Voilà. Donc bon, à un moment donné, je suis désolé, mesdames, messieurs, mais il faut arrêter de nier l'évidence. Pas possible. Alors, ici. Ici, on a la grande... Ah, il y avait longtemps.
Ah oui, alors c'est pas comme ça du tout en fait, c'est... Hop, tu viens là. Tu viens là, je te fous par terre. Je te... Voilà, comme ça. Je te transforme. Et on te dépossède de ton énergie négative. Voilà, comme ça. Et maintenant tu me donnes la tube. Tant qu'à faire. Hop là, bon, il y a juste un petit gobelet, mais... Regardez, je regarde pas assez, c'est quoi ça? Je regarde pas assez. Ça, c'est pour Luigi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un truc comme ça. Et Luigi va juste récupérer. Voilà. Oh, il y a même pas une gemme. J'avais quand même espoir qu'il y ait une gemme, je vous avouerai. Mais bon, ok, très bien. Alors, allons dans la grande salle de la discothèque. Moi, c'est ça, là, qui m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oula. Il s'est clairement passé un truc ou quoi? Bonjour. Oui, bon, alors. J'entends, mais... Ah. Ah. Est-ce qu'on va direct être sur un boss? Non, j'y crois pas. Voilà, ça ferait vraiment des étages assez courts. Mais alors, les étages assez courts, quand il y a un étage assez court, vous avez vu derrière, genre, il y a l'Ectocha, où il y a un Toad à aller secourir, donc... Bonjour, monsieur. Madame. Bienvenue. Très bien, allons-y. Oh, salut, toi. Oh, la vache. C'est assez original, en vrai. Oh, non. Oh, non. Va falloir se les faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Oh. Ok, le bouton a été mis là. Il y en a un en moins, c'est ça? Attendez. En fait, faut arriver à faire sauter celui qui a le bouton. Regardez. Voilà, ok. Bon, je sais pas si ce qu'on fait est bien, mais j'ai l'impression que ça marche. Donc, écoutez. Est-ce qu'on va avoir la grande dame cette fois? Oui, je crois que c'est bon. On les a tous dégagés déjà. Ouh là là, ouh là là. Ou alors maintenant, on va avoir des... Ceux qui ont le bouton... Toujours pas eux, donc c'est lui tout à droite. Voilà. Et c'est là en fait où ça se barre un petit peu, voilà. Donc là on voit qui c'est. Celui tout à droite. Voilà, j'ai un peu perdu de vue, je vous avouerai. Ok. Donc on a foiré là, si je comprends bien. Ouais, je pense qu'on a foiré. Je pense peut-être savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, déjà, on va prendre Luigi en fait. Ça me paraît beaucoup mieux. Parce que lui, il craint pas. Enfin, je veux dire, s'il meurt, c'est pas grave. Le bouton est là. Ok. Je pense que je fais pas bien là, les choses. Je pense, hein. Je peux me tromper, mais à mon avis, je me foire. On va voir, attendez. Lui. Vite, on en a un. Vous voyez, comme ça, on arrive à en aspirer. Je pense qu'il faut les diminuer de plus en plus, en fait. C'est peut-être ça. Lui, là. Ok, un en moins, ça veut dire. Est-ce qu'il va y en avoir un en moins ou pas? Observe-les bien pour trouver qui a le bouton. Ça ne doit pas être facile de danser avec ça. C'est un peu pareil. Mais le truc c'est que après. Ah là, non. J'aimerais les flasher derrière, mais je peux pas. Toi là. Vous voyez, j'arrive pas à l'avoir direct. Je vois. J'arrive pas à voir s'ils sont moins en fait.
Vite. Ah non, c'est lui qui a le bouton. Go, 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 c'est bon, c'est bon, on a réussi. On a réussi à le choper avant qu'il lance le bouton. C'est bon. C'est bon. Donne-moi le bouton. Ok, on a le bouton. Évidemment, il va atterrir sur la truc. Ok, c'est bon, on a passé la première. Bon, on a mis un peu de temps, mais on a réussi à passer. Et là. Et là, maintenant, c'est elle. Et là, je sens qu'elle va pas être commode. Mais on est du coup déjà direct au boss, entre guillemets. Ok, calme-toi. Déjà, on va aller prendre ça, effectivement. Moi, je pense qu'il faut qu'elle va être... Je pense qu'elle va être étourdie à un moment donné. Non. Elle est nulle. Elle est totalement nulle. Tu es nulle. Tu es très nulle. Sache-le. Attention à ta coiffure, ce serait dommage. Attention, parce que là, pour l'instant... Non. Ah, j'ai fait ça trop tard, mais c'est ça, je crois qu'il faut faire. Vas-y, là, elle va lancer ses trucs. Et c'est là. Hop là. Quelle arnaque. Attendez, je vais vraiment la descendre le plus possible. Et là, hop là, voilà, j'ai bien enlevé. Hop. Allez, encore un coup, je pense, et on sera bon, à peu près. Bon, bah ok, cet étage va être vraiment très, 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 très vite expédié. À moins qu'il y ait un truc qui se passe. Après, l'étage 15, il va y avoir la dame et le roi Bou, je pense. Donc en vrai, ça va prendre plus de temps que ça, tu vois. Ça va être un étage un peu spécial. Je pense. Ah, elle m'emmerde, par contre, avec ces trucs-là. Tu m'emmerdes. J'arrive quand même à la voir sur la fin. Elle lance 1, 2, 3, 4, 5. Et là maintenant. Non! Ah, j'avais. Dommage, je me suis rapproché trop d'elle en fait. Avec la perspective, je me fais avoir. Ça va le faire. Ne vous inquiétez pas. Je me fais vraiment pas de soucis sur elle. Hein. Elle est pas. Elle est pas très dure. Voilà, là elle jette tout. Là, on y va. Voilà. Et voilà, on va attendre qu'elle soit en dessous de 100, si c'est possible. C'est bon. Voilà, allez hop là. Merci beaucoup d'être venu. À la prochaine, mademoiselle. Eh bien, cette salle de disco était... Elle a continué à danser. Cette salle de disco, j'ai envie de dire... voilà. Putain, mais du coup, en fait, on est peut-être à la fin du jeu, là. Quasi, je sais pas. Ça se trouve, en fait, le dernier épisode, c'est aujourd'hui. Je me rends pas compte. Je sais pas, hein. Je me rends pas du tout compte, en fait. Putain, on va voir. On va récupérer ça. Est-ce que cette fois c'est fini? L'Ectocha a été aspiré, donc personne ne peut venir nous le voler. Écoutez, attendez, il y a peut-être des trucs ici quand même. Sûrement des choses ici. Ouais, je sais pas. Non, mais là j'ai trop envie d'aller voir à l'étage 15. Oh, j'ai trop envie d'aller voir à l'étage 15 qu'il y a là. Allons-y. Allons-y. Ou alors il y a un 16ème étage secret. Là, reconnaissez, c'est bizarre quand même là, cette histoire. C'est allé méga vite cet étage. Autant d'habitude il y a toujours un truc, autant là il y a quoi. Cet étage il a été expédié en 10 minutes. Donc allez, un petit peu quand même, un minimum. Hop, on se fait les 3 là. Oh non, on en a fait que 2. Ok, et on tape avec. Je voulais essayer de tous me les choper en même temps, ça aurait été beau. Mais bon, c'est pas grave. En fait, même s'ils sont flash, j'arrive pas forcément à les avoir. Hop. Voilà, là on s'en fait 2 d'un coup. Bah vite maintenant, en plus on fait 100, on se les fait direct. Hein. Hop. On fait lui. Vas-y. Voilà. Ok, et il en reste un. Il en reste un ou pas? Non mais là on va avoir un truc avec catastrophe, je sais pas. Hop, ça dégage, merci. Oula. Ok. Bon, du coup, est-ce qu'on est bon? Il va y avoir une entourloupe. On va arriver en haut, elle va me dégager ou je sais pas, elle va me repiquer tous mes boutons. Je sais pas. Reconnaissez que c'est bizarre.
suite de la maîtresse. Bah écoutez, let's go! J'ai l'impression qu'on y est. Mais alors, peut-être que ça va être méga long en fait. Ça va être l'équivalent de deux zones, ce qui expliquerait pourquoi la zone 14 est très courte. Peut-être. Je sais pas. On va voir. J'espère que vous êtes chauds, les amis. Là, il va y avoir des révélations. Il va y avoir du... Ah, ça va se lancer, là. Ouh là là. Ça y est. Alors... Clairement, il va se passer un truc. Voyons voir déjà l'étage. Ah non, on n'y est pas tout de suite. Autant pour moi. On n'y est pas tout de suite, en fait. J'avais cru, mais non. Ah, vous le voyez déjà? Oh, 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 oh. Hé, je suis à côté, hein. Je suis entouré d'incompétents. Luigi n'aurait jamais dû arriver si loin. Je crois que je vous ai sous-estimé, toi et ton professeur. Tu es arrivé jusqu'ici et je t'en félicite, mais cela ne veut pas dire que tu as gagné. En fait, tout cela prend une bonne tournure. Luigi, prépare-toi à devenir le cadeau ultime. Le roi Bou sera si content de moi une fois que je t'aurai capturé. Et comme tu as eu la gentillesse de te livrer directement à moi, il ne me reste plus qu'à t'emballer proprement. Le roi Bou voudra sans doute accrocher ton portrait à côté de celui-ci. Oh oh, Mario, il faudra que je lui en parle. Mais elle sous-estime Luigi en mode, je pensais pas que t'arriverais jusque là. C'est pas comme ça faisait trois jeux où on y arrivait, tu vois. Genre au bout d'un moment, le roi Bou, il aurait dû dire il est ultra dangereux, fallait me sauter dessus direct. Même quand j'ai sauté tout en bas, fallait aller me chercher direct et tout au tout début du jeu, tu vois. Enfin, après, il faut laisser le jeu se faire, mais tu comprends. Luigi, si tu veux sauver Mario, il va falloir me trouver. Tâche de ne pas t'évanouir avant. Je t'attends avec impatience. Ok, nice. Très bien. Mario. Mario. Ok, alors. Plusieurs choses très intéressantes. Luigi, as-tu bien vu cela? C'était ton frère. Cela veut dire que la propriétaire de l'hôtel daigne enfin se montrer. L'heure de la confrontation est arrivée. Trouve-la et sauve Mario. Oui, j'ai compris. Alors attendez, déjà. Oh, c'est un portrait de moi. Ça fait peur un peu. C'est clairement un portrait de moi. Alors attendez, parce que la thune est ici. Ah, il va y avoir des énigmes et tout, je pense, hein, mais... Ne nous inquiétons pas, ne nous alarmons pas. Déjà, j'ai vu un truc. On va prendre notre temps, parce que je pensais pas qu'on arriverait à cet étage-là. Bon, du coup, c'est confirmé. Je vous le confirme, on aura fini le jeu avant la sortie de Pokémon. A priori, c'est confirmé, là, quand même. Bon. Bah tant mieux, du coup. Comme ça, au moins, hein, let's play, on enchaînera un autre, ce sera très bien. Mais alors, du coup, attendez. On aura peut-être fini. Genre, il y aura peut-être des jours de pause, tu vois. Moi, je pensais vraiment qu'au pire, on finissait jeudi et Pokémon démarrait vendredi, tu vois. Ah, vraiment, par contre, je pensais vraiment qu'il y avait Luigi qui... Ah, il peut direct y aller, c'était déjà ouvert. Ok. Oh, ah non, c'est pas du tout là que j'imaginais qu'il allait aller, tu vois. C'est intéressant, cette histoire. D'accord que là je peux pas passer. Ah mais il fallait que je descende justement. Quel idiot. Il fallait que je descende pour aller chercher ce qui... Ah non. Attends, là on est d'accord que si là je saute, ça va être drôle. On est d'accord. Attendez, je rigole parce que... Excusez-moi. Je rigole pour une raison bien précise. C'est que si je saute là... Ah je peux pas sauter, merde c'est en vert. Oh non, ça m'a cassé mes délires. En fait, je pensais qu'il fallait rappeler l'ascenseur, parce que là, sinon, Luigi allait tomber dans les méandres. Est-ce qu'ils peuvent juste passer comme ça? Comment est-ce qu'on a ça? Ah, ah, elle m'a cassé mon délire, la dame. Je suis déception. Vraiment, je suis un peu... Vous voyez ce truc-là? Oh, en plus, c'est un symbole du roi Bou, ça aurait été stylé. En revanche, on peut clairement passer par là, on est d'accord. Alors, est-ce qu'il peut passer direct? Non, là, il faut qu'il l'enlève. Voilà, vas-y. Ok, et là il peut y aller. Alors, ici, on appelle Luigi. Oh. Il y a tout ici. Oh là là. Je dis oui. Bon, du coup, à quoi m'aura servi ma thune? Plus à un scoring, en fait, plus qu'autre chose, finalement.
m'aura un petit peu servi, mais globalement, bon, c'était pas... Voilà, quoi. On va venir là. Ça va ouvrir, ça va enlever le vidéo projo. Mais d'abord, vas-y, tire. Hop. Ah, ou peut-être faut juste se jeter avec, voilà, comme ça. Parfait. Ok. Bien joué. Donc, il y a peut-être des délires aussi là-dedans, tu vois. Genre dans les miroirs, peut-être qu'on va avoir des trucs. Genre là, il n'y a pas de plante, de l'autre côté, une plante, bon voilà. Alors, il y a une caméra de surveillance. Ensuite, on y est encore, on y est ou pas encore? Ouais, entre guillemets, après restera la salle de la dame. Mais il y a des mini-salles dans ces trucs. Très perturbant le roi Bou qui me regarde. Extrêmement perturbant. J'ai l'impression que partout où je suis... Attendez. Je veux monter un peu ça. En fait, je voudrais juste voir si je peux pas... Je suis à peu près persuadé que je peux... Ah bah non. Je pensais que je pouvais ouvrir ça, mais non. Ok, la surveillance ici. Et on va aller... Oh ! Mince ! Ok, donc. Hop, on tire un coup. Ça, on connaît. Hein. On tire l'autre coup. Ah merde, j'ai pas le temps. Attendez, je vais y arriver. Ça dégage. Ok. Excusez-moi, j'étais un peu. Oh, regardez ce qu'il y a au fond. Il y a le roi Bou dans la. Là, là. Vous voyez ou pas? Il y a des trucs du roi Bou absolument partout, c'est ultra flippant. Alors, il y a quoi là? Non, mais il y a des trucs du roi Bou partout. Elle voue un culte absolu. Oh, la méga prise. Elle voue un culte absolu au roi Bou. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est la clé du roi Bou. Ok, bon. Elle voue un culte absolu au roi Bou, en fait. C'est vraiment... son maître ultime et tout. Elle a bâti son hôtel là-dessus. Bon, on sait très bien que ça ne va pas marcher. J'ai une erreur qui a popé en plein milieu de mon écran. Merci. Alors... Ça ne va évidemment pas se passer. Il y a des lasers invisibles un peu partout. Ok. Donc je ne peux pas m'en approcher. Oh merde. Et tu as remarqué cette poudre sur le sol? Je parie que tu pourrais la faire s'envoler avec une bourrasque. Ah. Ainsi tu pourrais brièvement voir l'emplacement des lasers. Ok. Ok. Vous voyez la méga prise là? Ça va nous servir ça. Hop. L'argent! L'argent avant tout! Regardez, il y a des choses intéressantes là. Non mais vraiment. Il n'y a que des trucs méga intéressants. Je pourrais refaire ça. Voilà, merci. Alors là, comment je passe? Ok, je l'ai. Et là. Wait, what? Je peux pas brancher ma prise ou un délai. Ah non, c'est juste ça. Ok. Ok, juste je désactive les lasers en faisant ça. Ok, d'accord. Ok, très bien, tout simple. Ok, non mais ça me va. Il y a un truc à gauche, hein. Très clairement, il y a un truc à gauche. Est-ce que ça va désactiver ça? Oui. Est-ce que je suis tombé direct sur la bonne salle? Ou bien... Ça paraît fou cette histoire. Que je souhaite tomber directement sur la bonne salle. Ça me paraît un peu trop... un peu trop good game, cette histoire. Oh. Ouais, il se passe quoi après? Censé m'aider à quelque chose, ça? Comment est-ce que je vais à l'intérieur de ça? Luigi peut pas y aller non plus. Peut-être que vous avez des solutions, peut-être qu'il y a des trucs que je loupe. Genre qui vous rendent fou, je sais pas. On va prendre ça, du coup on en a... Alors regardez, elle se classe pas juste à côté de mon os. Donc clairement il va nous en... Ah oui, il nous en faut 4, c'est ça. Il nous faut les 4 clés pour ouvrir la grande dame. Très bien. Alors. Oula. On se fait attaquer. On va se faire attaquer. Attention. Donc je pense que notre mission du jour va être de récolter ces 4 trucs. Très honnêtement. Oh la vache.
pense que notre mission du jour va être de récolter ces 4 trucs, surtout. Parce qu'après, je pense qu'on sera un poil trop just pour la suite. Ah, par contre, clairement, toi, t'es clairement relou. Voilà, toi, tu viens ici. Je te capture vite. Parce que là, on est déjà à 35 minutes d'épisode. Il nous en reste 3 à récupérer. Comme ça, on se fera un bon suspense derrière la porte finale. Tu vois, je me dis, ça peut être pas mal. Et dernier épisode, ça serait l'épisode 15, plutôt propre. Ce que je n'ai pas fait avec Link's Awakening, par exemple, qui est fini dans l'épisode 20. Et bien là, on le ferait. Vous voyez. D'ailleurs, j'avais dit au début que ce let's play serait certainement plus long. C'est dans ce sens-là, ouais. Certainement plus long que Link's Awakening. Au final... Bah si, Link's Awakening, on l'a fait à 100%. Donc oui, ça pourrait être plus long si c'était le cas. Mais bon, on s'en fout, c'est pas une compète. Hein. Pokémon, lui, sera certainement plus long, hein, ça... Il est où le dernier, là? Aïe. Voilà, viens ici. Hop. Viens ici. Hop. 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 Parfait. Donc, allons au tour. Tiens, si à chaque fois... Ah, ça va être long, en vrai, de récupérer toutes les clés. On va voir. On va aller dans la salle d'à côté. Celle tout à droite. Mais par contre, en mode pharaon. Oh, oui, on change totalement d'ambiance, en fait, là. On change totalement d'ambiance, il y a une porte à fichier. Et là, on est sur le délire pharaon. Peut-être que ça va retracer certains éléments forts de la, de l'endroit. On va voir. Est-ce que là, on est en délire pharaon avec une épreuve de stable et tout ou pas? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est dommage, on a plus ce truc. Je suis en train de voir le flow là. On a plus ce truc, genre on peut absorber de l'eau et tout comme dans le 1. Ouais. Que là, je peux aspirer le feu si je veux et que Luigi pourra y aller. Très clairement. Attendez, je récupère un peu des trucs en même temps. Bon, je sais qu'on n'a pas, on n'a pas tout là, mais bon. Oh. Reviens. Voilà, j'en étais à peu près sûr qu'il y avait quand même des lasers. Ok, alors attends, continue à tourner ça pour voir ce qu'il y a après. Ce truc là, c'est le... Ah mais c'est un tableau avec, regardez, le truc de lune du 2. On va pas rentrer dedans quand même. C'est Luigi's Mansion 2. C'est une référence à Luigi's Mansion 2. Vous reconnaissez ou pas? C'est vraiment le manoir de Luigi's Mansion 2, le début, le tout premier. Parce qu'il y a plusieurs manoirs dans Luigi's Mansion 2, mais c'est vraiment le premier manoir. C'est marrant. C'est marrant les petites références. Et la lune là, comme ça, c'était le truc de Luigi's Mansion 2, ça, c'était clairement. Hop, ça dégage. Ça dégage. Ok. Oh. Merci bien. Bon, du coup, déjà on va amener Luigi dans le truc là. Il va falloir qu'on désactive un peu tout. Hein. Donc, pour emmener Luigi ici, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on retourne encore ça. Décidément, beaucoup de choses à faire. Hein. Ça va être long de faire les 4 salles. Hein. Oh, le truc d'énergie. Ouais. Est-ce qu'on peut pas passer juste par l'arrière, en fait? Est-ce que c'est pas juste ça, en fait? Attendez. Je me demande, hein, si c'est pas juste ça. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. On va tester vite fait. Parce que j'ai vraiment l'impression que par l'arrière, à moins que c'est une vitre et que je me trompe, mais... J'ai vraiment l'impression que c'est ouvert, en fait. Lol. On coupe ça. Voilà, on coupe les lasers. Merci. Maintenant, est-ce que lui peut y aller? Oups, non, pas du tout. Donc on continue, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Après on fera le dernier truc avec le feu et tout, ne vous inquiétez pas, mais déjà on tourne. Vas-y. Encore une fois. Voilà. Là c'est bien. Ok, donc déjà tu viens, tu récupères ça. Bah oui, quand même, un petit peu, des petits trucs. Tu perds des choses ici, machin, 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 machin. Là-dedans il y a certainement un coffre ou quelque chose. Oh, je suis tombé. Ah merde, bon c'est pas grave, bon on va aller prendre la clé. Voilà.
Deuxième clé en notre possession, parfait. Parfait, parfait, parfait. Attendez, parce qu'il y a clairement un truc en bas et je veux voir ce que c'est. Bougez pas. Bah, c'était rien de spécial en fait. Ok, bon, très bien. Alors, on a deux clés déjà. On va continuer à tourner un petit peu. Puisque je veux quand même aller voir ce qu'il y a dans ce truc là. Vas-y, tourne. Voilà. Au niveau du feu. Ok, très bien. Alors, ce qu'il faut faire pour moi, c'est aspirer le feu. Et pendant ce temps, avec Luigi, tu viens. Et tu passes là-dedans. Bon, c'est un tuyau d'or. Alors, est-ce que c'est pas juste pour ramener de la thune? Si, c'est ça. Regardez. C'est clairement ça à chaque fois. Ok, voilà. J'ai l'impression qu'en fonction de la couleur du tuyau, tu peux un peu mieux savoir. Donc, ça c'est fait. Passons aux deux salles suivantes. J'imagine qu'on va se faire attaquer. Ça me paraît assez évident qu'on va se faire attaquer, mais... Allons-y. Je suis prêt pour ça. Je suis né pour ça. C'est un vrai. C'est un vrai. Oh, de la thune. Yo. Putain, je m'attendais même pas à te voir là, toi. J'ai flippé. Qu'est-ce que tu fais là? Tu bloques rien, pourtant, comme accès. Il bloque rien du tout comme accès, c'est étonnant. Bon, bah écoutez... Alors là, oh, là, il y a trois salles. Il y en a deux. Il y a... Ah non, il y a deux salles, c'est juste que les entrées sont très bien. Ok. Alors... Oh, 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 oh. On va ouvrir ça. On s'est pas attaqué, là, pour l'instant. Bon. Ok. Ouvrons ça. Ah oui, les quatre clés vont se mettre dans la langue, bien sûr. Alors, salle suivante. Il y a l'énergie à couper, donc c'est toujours pareil. Il y a de l'eau, j'ai l'impression. Il y a de l'eau. Oh, là, c'est la clé bleue qui est dans l'espèce de crâne. Ok. Alors, déjà, j'ai l'impression que je me demande s'il n'y a pas une clé ici. Ouais, enfin, t'aurais pu pousser, là, quand même. Là, quand même, Luigi... Ok. Alors... Ok. Là, nous sommes sur du... Sur le jump. Ok, on avance. On se prend l'eau dans la face, mais ça, on s'en fout. On va éteindre pour Luigi. Il y a clairement un truc en dessous que Luigi va aller chercher. N'est-ce pas? Attention, il se prend quelques gouttes sur le dessus. Il va mourir. Putain, mais ils se font plaisir, là. Ils nous régalent. On va pas tous les... Vous voyez, vu qu'elles se barrent pas forcément. Dans le 2, quand elles apparaissaient, c'était en mode « Allez, ciao !» Mais là, au final, elles restent dans le conduit, donc... Je préfère prendre le temps de tout récupérer bien comme il faut. Voilà. Il y a un truc, là. Il y a un truc, là. Attendez. Ah, parfait. Alors, déjà... Faut que je trouve un moyen par contre d'avoir ce truc. Bah je pense qu'en fait il faut juste que je passe par là et ça va me faire le tour et ça va me faire arriver en haut. Oui, très bien. Et on a le petit bleu. Voilà. Parfait, 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 parfait. On s'en sort bien. On s'en sort plutôt bien. Tu viens ici. Là il n'y a plus rien par contre. Ok, allez vas-y. Alors, ici. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Tête de Luigi à chaque fois. Ah mais on voit, regardez, on les voit bien là. Regardez en bas là, le petit gouigoui là. Ouais, vous le voyez? Ok, voilà. Une. Et. Ok. On désactive ça. Comment je ne sais pas. On désactive ça, s'il vous plaît. Ah, mais si, je sais. C'est toujours comme ça. Non, c'est pas comme ça. Si, voilà. C'est juste que tout à l'heure, il n'y a pas eu besoin. C'est un interrupteur. Mais là, du coup, voilà. Et on récupère la troisième pièce. Bah écoutez, là, pour le coup, celle-ci aura été assez simple. Donc là, il faut juste, je pense, ouvrir le robinet pour faire remonter le truc. Eh, on n'a pas les mécaniques, nous? Voilà. Elle est belle, cette clé. Franchement, les clés sont belles. Toutes les clés sont belles, je trouve. Elles sont vraiment... mucho bueno. Ok. Tu enlèves tout ça. Voilà, et tu peux sortir. Ben oui, monsieur, ben oui. Il nous en reste plus beaucoup. Bon, regarde, c'est un peu des billets, c'est pas grave. Il nous en reste plus beaucoup, il nous en reste plus qu'une. Alors. Ah, voilà, j'allais dire. On va quand même se faire attaquer à un moment donné. Ok, donc c'est ici. Ils sont où? Où sont-ils? Parce que là... Ok, ça va par là.
Ok, ils sont là. Go. Oh. Quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Hop, vas-y. Il reste d'autres. Il reste lui à choper. J'arrive pas à le choper encore une fois. Ok, il reste l'autre. On attend qu'il arrive. On va attendre, vas-y, viens. Il doit pas être très loin. Vous savez ce qu'on va faire? Et voilà! On avait comme avec le chat. J'ai l'impression qu'il le détecte pas, le Luigi. Du coup, au final, ça devient assez easy. Voilà. Non, pas besoin. T'as vraiment l'impression quand je viens de remarquer ça que maintenant, mais t'as vraiment l'impression quand Luigi il sort que l'autre il est en mode très bizarre. Genre il tire une tête en mode ouais gars, ok. Ok. Donc allons-y. Dernière porte. Du coup je pense que ouais, prochaine fois sera dernier à l'épisode. Ok. Ouvrons cette porte. C'est la chambre. Ok, les lasers sont là. On va ouvrir ça déjà. Ok. Les lasers sont là. Donc pas très gênant pour le moment. À moins qu'il y en ait d'autres que je vois pas. Enfin, faut que je comprenne ce qu'il faut faire en fait. Voilà, ça, il y a ça. Ça, je l'avais vu celui-là. Je fais ça et ça m'ouvre. Oh là là, ok, très bien. Ça re-switch tout. Qu'est-ce que. Oh là. Oh là 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 là. Ok. Oh! Ouh la vache. On fait monter le truc comme ça peut-être. Je fais avec lui parce que si lui il meurt, c'est pas gênant. Oh regardez ce qu'il y a tout là-haut. Il y a un fantôme. Attendez, on va le chercher, on va le chercher, on va le chercher, on a la technique. On a la technique. Voilà, déjà, première chose. Deuxième chose. Il y a peut-être un truc à gauche, mais bon. Deuxième chose, vas-y, sors. Il tombe juste en dessous, serait bien. Non, tant pis. Rip Luigi. Non, c'est bon. Bon, ça, c'est pas très dur, en fait. J'ai eu peur un peu avec Luigi. Ah, je me suis fait choper par le laser. Merde. Ça, c'est con. Alors, attendez, attention. J'avais oublié les lasers. Vas-y, voilà, suffisamment pour nous protéger des lasers. Là, normalement, on est passé au-dessus, je pense. Et là, vite. C'est bon. Ok. Ça désactive les lasers, on n'a plus qu'à aller chercher. J'ai envie de dire, pas de problème. Du coup, on va y aller avec lui. Ça, au moins, on l'aura directement. En espérant qu'on ne meure pas. Ce serait dommage. Hop, vas-y, monte encore un petit coup. C'est original comme système. Je pense pas que ça allait monter comme ça. J'aime bien. On a les 4 clés, les amis. On les a, elles sont là. Donc la salle finale, a priori. Et je voudrais descendre en fait. Ah non, il y avait une araignée. Oh oui, t'es gentil, tu viens. Oh oui, t'es gentil. La salle finale du boss. A priori, en tout cas. Est là. Donc, Catastrophe nous a pas donné. Nous a pas appelé en mode, j'ai des nouveautés. Donc, je pense pas que ce soit utile d'aller au labo pour le moment. On va s'arrêter là devant. Oh là là. Il va se passer un truc avant. Il y a des lasers. Ok, 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 ok. Alors attention, parce que là. Oh là là, tout ce qu'on vient d'aspirer. Attention au laser. On connaît. Attention au laser. Vas-y, ça aspire. Il est tout petit là, ça c'est vraiment. C'est si mignon, c'est inutile. Mais c'est si mignon.
Oh là, j'en ai absorbé beaucoup là, non? J'en ai eu beaucoup, je crois. Attention! J'ai pas eu le temps. Ah ouais. La vie. Attention, j'attends que ça revienne. Hop! Voilà. Toi, on te récupère très 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 vite. Oh là, attention, il y a un gros. Tapons-le avec. Ok. Vite, on récupère le gros, c'est ce qui nous intéresse. On dégage eux. On dégage lui à 40, à 20, voilà, lui il est mort. Concentration extrême. Il est encore là, hein, il est encore là. Ne vous inquiétez pas qu'il est encore là. Je sais pas s'il reste pas des trucs par là. J'ai pas l'impression. Il est là, il est dans le coin, mais je sais pas où, mais il est dans le coin. Il est là. Vite. Ah, je peux pas le choper là, il est trop dans le mur. Viens me chercher. Viens, 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 viens. Il est où? Il s'est barré. Où est-il? On l'attend. Ce combat entre guillemets final. Avant les... Hop. Avant le double boss qui nous attend, je suppose en tout cas. Voilà. Parfait. Alors est-ce que Catastrophe va nous dire qu'il a un truc? Non. Bon. Eh bien les amis, ça fait 50 minutes qu'on est ensemble. Du coup, c'est le bon moment de se laisser. On va s'arrêter là et on se retrouvera dans un épisode a priori final. À moins que vraiment on nous cache un truc, on fait la dame et en fait derrière il y a encore un étage, tu vois, pour le roi Bou, mais j'y crois pas trop. On verra, peut-être, peut-être, je sais pas. Mais bref, on va se retrouver dans un épisode a priori final qui peut-être sera même plus long que les précédents. On fera peut-être plus d'une heure pour l'épisode final, je sais pas. Du coup, demain, voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. Je pensais vraiment pas qu'on arriverait jusqu'aussi loin aujourd'hui. Mais en fait, faut dire que l'étage 14 était pas très long en fait. Electrochat, c'est allé très vite aussi. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, on se dit à très vite. C'était Sifano. Ciao.